Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Grotte du Barbu. Aujourd'hui, c'est l'épisode 141 et établi. Oui, aujourd'hui, on va prendre ma table de merde que j'ai achetée chez Ikea et on va la transformer en presque établie. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des rangements, mettre des tasseaux et surtout l'alourdir. Eh ben allez, c'est parti! Je commence donc par ranger tout le bordel que j'ai sur ma table. Une imprimante 3D, des papiers, des outils, de la colle, mais aussi toutes les merdes que je stocke en dessous. Un vieil écran, du filament et plein d'autres trucs. Pour pouvoir donner un peu d'assise à cette structure, je vais rajouter des tasseaux sur trois de ses côtés, à l'arrière, à droite et à gauche. Donc je mesure les dimensions exactes entre les poteaux. Que je marque soigneusement sur un morceau de scotch. On a donc 73 cm et 37 cm respectivement pour le fond et les côtés. J'utilise donc ma boîte à onglets et ma scie à main merdique pour couper ces deux longueurs. Je retourne la table et je vérifie que mes dimensions et mes découpes sont correctes. Comme dit le dicton, mesure trois fois et découpe une fois, au lieu de mesurer une fois et découper trois fois. Avant de passer à la découpe des autres tasseaux, je vérifie que je ne me suis pas planté, et c'est nickel. Je vais donc découper trois autres morceaux de 37 cm pour les côtés, et un autre de 73 cm pour le fond. J'ai donc pour finir mes 6 morceaux de tasseau aux bonnes dimensions. Pour assembler tout ça, je vais tester un nouveau jouet. Ça s'appelle le Undercover Jig de chez Wolfcraft. Et c'est ce qui se rapproche le plus de ce que les Américains appellent le Pocket Holes. Le principe est donc de percer un angle avec une mèche spéciale qui va faire un espace pour une vis directement dans votre morceau de bois. J'ai mis quelques minutes à comprendre comment tout ça marche, qui dépend principalement de l'épaisseur du matériau que vous utilisez. On règle la profondeur d'arrêt du foret avec une bague et on perce directement sur la pièce. Ça paraît bizarre au début, mais c'est un dispositif d'une efficacité redoutable et qui permet des assemblages solides faits en un temps record. Je risque de faire un épisode sur ce truc, tellement c'est bien, et non, Wolfcraft me file pas de pognon pour parler de leur truc. Reste plus qu'à répéter ça sur les 5 autres tasseaux. Une fois que les tasseaux sont prêts,
je marque à 30 et 50 cm les emplacements des tasseaux sur les pieds de la table. Les emplacements sont marqués, les tasseaux sont prêts, il est temps de passer à l'assemblage. Je monte donc sur ma visseuse l'embout spécial fourni avec le undercover jig pour pouvoir visser les tasseaux au pied de la table. Dans la petite valisette sont fournies aussi différentes vis qui correspondent aux tailles standards des épaisseurs de plaques de contreplaqué. Je place avec attention mon premier tasseau et poum, c'est parti pour le vissage. C'est étonnamment facile à visser et rend la structure super solide. Malheureusement, il n'y a que peu de vis dans le kit, donc après un pit stop au magasin pour choper des vis presque identiques, je m'attaque au reste du vissage. Je n'ai pas mis de colle, d'abord parce que c'était dans le sens contraire du grain et que ça m'aurait obligé à décaper la peinture des pieds. Rajouter ces tasseaux, puis les panneaux, va rendre la structure des pieds super rigide, donc pas vraiment besoin de colle pour moi. Mise en place de la dernière vis, et poum, on va pouvoir passer au panneau. Rien de très folichon ici, des panneaux en OSB achetés au magasin de bricolage du coin. Je découpe deux des coins du panneau pour pouvoir le monter sur les tasseaux. Pas vraiment pratique de découper un panneau sur une table à l'envers, justement pour fabriquer une table moins pourrie. Dès que j'ai trouvé les bonnes dimensions pour la découpe des deux coins, je transfère ça sur le deuxième panneau et le découpe. Je positionne le premier panneau et je le visse. Initialement, je voulais percer des avant-trous, mais pas la place de mettre ma perceuse, donc on fait ça à la barbare. Le deuxième plateau recevra des choses moins lourdes, donc je peux le visser à l'envers. Structurellement moins fort, mais me permet de pouvoir le visser. Dans l'autre sens, j'aurais juste pas pu le faire. Et je remets en place ma table, devenue presque un établi, qui a pris un poids conséquent. Ouais, j'y vais comme ta mère. J'en profite pour fixer le plateau principal définitivement avec quelques vis. Et on peut passer à la dernière étape de ce projet, le remplissage. D'abord avec un sac de sable de 35 kg qui devra lui donner le poids et la stabilité recherchés. Et ensuite ranger toutes les affaires qui traînaient sous la table depuis les derniers mois. Une table établie, stable et rangée, pff, c'est bizarre ça. Et ben voilà, j'ai réussi à transformer ma table Ikea pourrie en établi presque super génial. Et bien sûr, j'ai utilisé mon nouveau jouet qui est le Undercover Jig de chez Wolfcraft. Et grâce à ça, j'ai réussi à mettre mes tasseaux et à me faire
mes rangements et à mettre mon sac de sable à l'intérieur. Donc je l'ai lesté avec 50 kg. Normalement, ça devrait être suffisant pour lui donner un peu de stabilité et le transformer un peu comme un établi. C'est pas un établi, il manque bien sûr un étau, il manque plein de choses, il manque juste 100 mètres carrés pour que ce soit une vraie grotte, mais on s'adapte, c'est pas grave, et on fait des trucs cool. Comme d'habitude, bien sûr, si vous avez des questions, des insultes, vous connaissez ce qu'il faut faire. Vous envoyez un mail, Twitter, Facebook, Instagram et tous les autres trucs. Et comme d'habitude, je vous répondrai pas ou avec 3 mois de retard. Vous pouvez aussi rejoindre le clan des gentils barbu tipeurs qui, tous les mois, parce que ce sont des gros bourgeois et parce qu'ils sont sympas, nous filent quelques euros pour produire ces épisodes de la Grotte du Barbu et toutes les autres vidéos débiles que je mets sur la chaîne. Bien sûr, commente, tu as des insultes, commente, laisse un commentaire, et si c'est pas encore fait, regarde, là, peut-être là, là, t'as un bouton rouge, clique, clique, clique sur le bouton rouge, abonne-toi. Les barbutipeurs, merci à nos amis les barbutipeurs, vous êtes trop cool. Et qu'est-ce que vous avez en échange? Oh, c'est merveilleux, vous avez les vidéos 4 jours avant tout le monde, le dimanche au lieu du jeudi. Et d'ailleurs, on est dimanche soir, et faut que je me dépêche, faut que je me manie un peu le cul pour finir le montage. Voilà, c'est tout pour cet épisode, un épisode basique mais rigolo, qui montre qu'avec quelques petits outils, on peut améliorer votre environnement, vous pouvez améliorer votre quotidien avec des outils très basiques. J'ai quoi? Une scie de merde, hein? Une scie vraiment merdique, pourrie. Une visseuse, une perceuse, pif paf pouf, quelques tasseaux, hop, la table transformée en presque établie. Voilà. C'est tout pour cette fois. Voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère que cet épisode vous aura plu. À la prochaine et que la barbitude soit avec vous.